Ma vocation, c'est quelque chose qui m'a littéralement tombé dessus un matin, où je me suis réveillé avec cette idée un peu absurde de devenir pasteur. C'est à la fois simple à dire, mais c'était assez déstabilisant comme expérience, parce que je me destinais à devenir policier à l'époque. Et ça m'a demandé un long chemin de discernement, entouré de mon pasteur de l'époque et aussi d'amis qui m'ont accompagné, qui m'ont conseillé. C'est lors d'un voyage à Madagascar, une année plus tard, que j'ai eu le déclic de me dire oui, effectivement, c'est là que je suis appelé, c'est là que je veux être. Et aujourd'hui, je ne me verrai pas faire autre chose ou être ailleurs.